RTL Matin On n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord euh, aujourd'hui avec Nicolas Domenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors pendant qu'on ne parle que de la percée d'Emmanuel Macron, on en oublie un peu trop, selon vous, de sacrés clients. Mmh. Hein, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui pourraient, croyez-vous, mmh. euh, Nicolas, se retrouver face à face au second tour de la présidentielle. Ah, on ne les a pas tout à fait oubliés ici, en tout cas, puisque eh bien, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont succédés au micro de RTL. Ah mais, bon, et pour avoir parlé avec chacun, je peux vous certifier que ce duel impossible Inenvisageable il y a quelques mois, cette confrontation radicale est dans leur tête. Marine Le Pen n'exclut absolument pas de se retrouver en finale face au leader de la France insoumise qui lui-même se voit tout à fait affronter au second tour la chef-thème de l'extrême droite et de la France invisible. L'une et l'autre ne doutent de rien et surtout pas d'eux-mêmes et développent avec une gourmandise identique un semblable raisonnement. Cannibale. Alors, euh, à la limite, vous seriez en train de nous mettre l'eau à la bouche. De... <laughs> Déroulez un peu le menu. Ah, le Pen comme Mélenchon ont déjà mâché, menu justement, les encombrants qui, dans leur camp, risquaient de se révéler embarrassant. Papa Jean-Marie Le Pen pour l'une, le Parti communiste pour l'autre. Ensuite, ils sautent l'entrée trop légère à leur goût, à savoir le candidat bientôt élu du Parti socialiste dont tous deux considèrent que, quel qu'il soit, il sera vomi par l'opinion. En revanche, ils salivent de concert à l'idée de gober tout cru. Emmanuel Macron, que Jean-Luc Mélenchon a rebaptisé le petit Mickey à roulette, et Marine Le Pen, le Justin Bieber des médias. Ce banquier finira, je cite, comme un vulgaire soufflet ultra-libéral dans lequel il suffira de planter quelques pics critiques pour le dégonfler. Quant à François Fillon, il se charge, selon eux, de se dégonfler tout seul, tel autrefois Edouard Balladur, cet ancien Premier ministre, que Chirac comparait à une porcelaine chinoise qui tient à la décoration mais pas au feu électoral. Mais soyons très clairs, vous y croyez vraiment à cette finale Le Pen-Mélenchon ah, Ce qui est sûr, c'est qu'ils y croient eux. Marine Le Pen sort en tête de tous les sondages depuis des mois et le Brexit puis l'élection de Trump lui ont donné des ailes. De son côté, Jean-Luc Mélenchon n'est pas à ce niveau sondagier, mais il a vu son rêve se réaliser, le renoncement forcé de François Hollande. Il n'y croyait pas vraiment, mais il l'avait annoncé pour le précipiter. Derrière, c'est toute la social-démocratie, la SOSDEM, comme il dit, qui s'auto-détruit. Le Pen comme Mélenchon ont réussi en outre à mettre la main sur la question sociale méprisée par les autres. Mais il y a un dernier point qui fait leur force. Lequel, Nicolas ah, Le Pen comme Mélenchon se présente pour la seconde fois. Et comme me le confiait un candidat multi-récidiviste, la campagne présidentielle, c'est comme l'amour. La première fois, on craint toujours la panne, alors que la seconde fois, on est nettement plus confiant. Pas d'angoisse, on assure en amour. Yves, vous êtes plus expert que moi, mais en politique, je vous le confirme, c'est vrai, on est meilleur la seconde fois. Nicolas Deménac, sans commentaire de ma part. Et demain, on a rendez-vous avec Eric Zemmour.